Salut tout le monde! Hello, hello, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce jour, en ce premier jour de printemps. Alors moi j'ai la chance d'avoir du soleil aujourd'hui, donc c'est trop cool. J'espère que c'est pareil pour vous. Et puis sinon, eh bien, j'espère que eh bien, ce live vous en apportera un petit peu de soleil. J'espère que tout le monde est en forme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou les petits pouces, les petits cœurs si vous m'entendez bien pour que l'on démarre dans de bonnes conditions. Le soleil se montre un peu bon. Marie-France, pas de soleil non plus, alors je t'en envoie plein. Et j'espère que ça te fera du bien. Coucou Nathalie, coucou Laurence, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes lundi, les 14h, et on se retrouve pour notre live créatif de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose un super grand panier pour les gourmands à Pâques. Bonjour André, bienvenue. Voilà, de quoi accueillir tous les chocolats possibles pour vos gourmands, et petites, peut-être même un petit peu pour vous aussi. Hein? Pourquoi pas? Allez savoir. Moi, je ne rechigne pas devant du chocolat. D'ailleurs, on en a offert plein samedi en atelier. Et voilà, c'est plutôt sympa. J'en ai même reçu aussi pour mon anniversaire. C'est pas raisonnable du tout, mais qu'est-ce que c'est bon. Je suis sûre que vous serez très nombreuses à penser la même chose. Alors, bah écoutez, si vous arrivez ici sur ma page ou sur ma chaîne YouTube pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre, dans le centre de la France. Et on se retrouve chaque semaine, chaque lundi à 14h pour un live créatif. Tous les projets que je vous propose sont exclusivement réservés et réalisés surtout avec les produits Stampin' Up, mais pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sans souci les réaliser avec ce que vous avez chez vous. Si l'envie vous prenait de réaliser le projet à l'identique, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon blog après le live sur harmoniescrap.fr et là, vous trouverez toute la liste des articles que j'ai utilisés pour les différentes versions, mais pas seulement, vous retrouverez aussi des photos, une fiche technique ultra complète pour pouvoir faire et refaire le projet, et bien sûr la vidéo en replay. Bonjour Christine, et oui Muriel, je suis une gourmande et je l'assume. Je persiste et je signe. Vive le chocolat! Juste une petite info à vous dire pour aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire à la box mensuelle du mois d'avril. Donc vous avez le lien dans la publication au-dessus de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Vous en avez l'habitude probablement maintenant. Un colis surprise que vous retrouvez, que vous découvrez tous les mois. Cette box, eh bien, on l'a créée, je l'ai créée en septembre 2021 et elle a toujours autant de succès. Et du coup, je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, à chaque fois, c'est une petite box uniquement avec du matériel Stampin' Up et vous ne savez jamais à l'avance ce que vous allez recevoir. Coucou Christelle, bienvenue, bravo pour ta carte au fait. Félicitations pour une débutante en plus, c'était bluffant. Bravo à toi. Alors, donc aujourd'hui, on va réaliser donc ce fameux panier de Pâques. Vous allez voir, il est hyper simple. Et si vous allez sur mon blog après le live, eh bien, vous aurez la chance, si vous téléchargez la fiche technique, d'y découvrir des mesures différentes. En plus, si vous voulez réaliser un modèle inférieur, j'en ai réalisé un, je vais vous le montrer. Voilà, vous pourrez adapter selon ce que vous avez envie de mettre dans ces petits paniers et selon les petits gourmands que vous aurez autour de vous. Voilà. Coucou ma petite Fafa, gros bisous. Alors, je vais changer de caméra et du coup, on va pouvoir découvrir le projet initial, la version modèle réduit, pardon, c'est mieux. Hein, et puis on va pouvoir donc découvrir ensemble comment réaliser ce panier de Pâques géant du coup. Voilà. Alors voici la grande version.
réalisé donc avec la collection Fleurs et Compagnie, que vous pouvez obtenir si vous commandez à plusieurs, par exemple. Ça peut être super sympa. Et puis sinon, si vous êtes une véritable accro en faisant une grosse grosse commande, et du coup vous pourrez l'obtenir ce papier. Bonjour Fabienne, bienvenue. Il est géant, vraiment, hein, parce que vous voyez par rapport à mes mains, il est vraiment super grand. On va travailler avec deux feuilles 30,5 par 30,5. On va juste se séparer de deux morceaux à chaque fois, mais du coup sinon il va rester quasiment tel quel. Donc ça c'est top, on va l'agrandir avec du papier uni pour créer les anses. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de super grand. Imaginez, je ne veux pas faire de pub, hein, mais les grands œufs, vous savez, la marque bien connue. Du coup, ça rentre nickel dedans. Et puis sinon, vous pouvez carrément le remplir avec plein plein de paquets de chocolat dedans. C'est trop cool. Voilà, il est vraiment assez conséquent. J'ai ajouté dans le fond un autre morceau de papier uni, hop, vous allez peut-être le voir, voilà, pour renforcer la solidité du fond du sac, hein, parce que du coup, qui dit grand sac dit on va probablement le charger, donc du coup, et ben, il faut quand même assurer nos arrières, parce que ce serait quand même ballot que tout se fasse la malle, on est d'accord. Il n'y a pas de retard, Marie-Christine, ne t'en fais pas. Merci, mon fils m'aide également, il a 5 ans et il adore ça. Christelle, c'est trop bien de pouvoir scraper avec ton fils. Surtout, profite au maximum de ces moments-là quand ils deviennent ados. Soit ils sont toujours accros et du coup, on peut les faire scraper avec nous, sinon c'est mort pendant quelques temps. Et après, maman, j'ai mal au ventre. Oui, tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'est donc la grande version et du coup, je me suis amusée à faire une version un peu plus petite que vous pourrez faire vous aussi grâce à la fiche technique. Et voilà le petit frère en petit modèle. Donc c'est le modèle réduit, vraiment divisé par deux, tout bêtement. Voilà. Là du coup, je l'ai fermé. Je vais faire la tentative de fermer le grand dans le même principe que celui-là aujourd'hui. Et pour cela, pour le maintenir bien fermé, eh bien j'ai utilisé tout simplement, hop, regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous les apercevez vite fait ici, les attaches parisiennes, voilà, qu'on voit très très peu et pourtant qui sont quand même bien pratiques. Eh bien, tout simplement, elles sont à l'origine noires et blanches. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, ah voilà, j'ai embossé donc avec feuillage aussi, ça c'est super beau. On peut y mettre un gros œuf, mais oui, c'est ça! Donc là, vous avez le grand plan, donc vous apercevez. Les attaches parisiennes ici que j'ai utilisées pour les fermer, et je vous disais, à l'origine, elles sont blanches et noires. Et du coup, et ben, tout simplement, je les ai colorisées à l'aide donc de mes Stampin' Blends, donc les feutres à alcool, tout simplement. Alors, je vais vous les ouvrir, enfin, si j'y arrive. Voilà. Donc, ça n'a rien à faire là. Voilà, ça c'est les attaches parisiennes Stampin' Up, ok, elles sont noires et blanches. Vous avez des gros modèles comme ça en version carrée. Et puis des plus petites aussi, rondes, toutes fines. Voilà, et du coup là j'ai préparé celle de tout à l'heure. Donc c'est les grandes blanches que j'ai donc colorisées en pierre rose polie. Puisque du coup ça va être la couleur des anses de mon sac aujourd'hui, vous voyez? Percevez donc tout simplement avec les feutres à alcool et du coup on peut les coloriser de toutes les couleurs qu'on veut, ça tient nickel comme c'est à base d'alcool, du coup c'est le top. Donc n'hésitez pas. Alors je les sors tout de suite, je les mets de côté et du coup je vais attraper le reste du matériel. Je ne sais pas si vous allez scraper en même temps que moi. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite tout de suite à prendre vos morceaux de papier à motif, les deux grandes feuilles de 30,5 par 30,5. D'accord? Si jamais vous n'avez pas eu le temps de préparer le matériel, pas de panique. Comme je vous l'ai dit, allez sur mon blog après le live et vous retrouverez du coup eh bien, tout ce dont vous aurez besoin pour faire le projet à votre tour. Oui, tu peux les coloriser, les attaches parisiennes. Voilà, avec les feutres à alcool, c'est nickel. Ça tombe super bien. Alors, j'essaye de régler ma lumière. Voilà, ça me faisait un peu sombre. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, on peut les adapter vraiment sans problème à nos projets, coordonnés à nos papiers.
C'est ce qu'on aime, hein, on est d'accord, coordination. C'est tout ce qu'on aime. Je reste sur la même collection de papier aujourd'hui, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je prends tout ça, ne bougez pas, j'arrive. Toc, on va aussi avoir besoin de la machine de découpe et d'embossage. Voilà, je récupère tout ça. Voilà. Et du coup, c'est avec ces deux morceaux-là que je vais travailler aujourd'hui. Oui, j'ai vu que tu étais de mariage. Félicitations à ton grand-fils, Muriel. Je suis sûre que c'était un excellent week-end. Voilà, tout simplement, 30,5 par 30,5. Il vous en faut deux. Il est vraiment magnifique, ce papier, avec plein de couleurs, plein d'incolores. Souvenez-vous, hein, je ne cesse de vous le répéter, il va y avoir une refonte des couleurs très très bientôt. Je ne peux pas vous dire quelles sont les couleurs qui vont disparaître et celles qui vont arriver. Mais tout simplement parce que je ne le sais pas encore. Mais par contre, si vous avez des coups de cœur dans les couleurs, ne tardez pas à investir avant que les stocks ne disparaissent. Alors, on y va. Je vous invite à prendre votre coupe papier. On va faire une feuille après l'autre, vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Donc, première chose à savoir, faites attention si votre papier a un sens. Il y a un intérêt à y faire attention. Vous allez voir pourquoi on veut garder le sens du coup du sac, d'accord ? Donc ça peut être intéressant d'y faire attention. Je prends donc mon papier, vous voyez, hein, moi il a bien un motif, donc suivez bien comme moi pour pouvoir être sûr de faire dans le bon sens et de ne pas vous retrouver avec les motifs à l'envers sur votre sac. C'est bon pour tout le monde? On y va? C'est parti. Premier pli à à peu près 2,55, d'accord. Donc entre 5 et 6. Voilà, et on vient faire un premier pli. J'y vais tranquille parce que c'est du papier à motif. Je ne veux pas le déchirer, on est d'accord. Marie-Christine, tu regardes, il n'y a pas de problème. Deuxième pli, 15,25. Ni plus ni moins que la moitié de notre feuille de papier. Ok ? Jusque-là, normalement, tout va bien. Dans ce sens-là, ça sera tout. Je vais retourner mon papier d'un quart de tour vers la gauche. Regardez bien, top, je le retourne comme ceci pour pouvoir venir faire un pli ici, ce qui sera le bas de notre papier, le bas de notre panier. Tout va bien se passer. Ok ? Donc, je remonte. Nous avons fait nos premiers plis à 2,55 et à 15,25 dans ce sens-là. Et je retourne d'un quart de tour vers la gauche, comme ceci, pour faire un pli, tout simplement, à 17,8. 17,8. Voilà. Comme ceci. Et c'est tout. On ne va pas plus loin. Coucou Maria-Isabelle, bienvenue. Ok, donc vraiment simple. Et ce que nous venons de faire là, on le reproduit à l'identique sur notre deuxième feuille. D'accord? Donc vraiment très très facile. Je prends la deuxième et on recommence tout simplement. Alors, je décale ça parce que ça m'agace. J'en profite pour remontrer à Maria-Isabelle qui vient d'arriver. On est en train de faire le grand sac de Pâques. Sac géant. Avec ici, vous avez vu, j'ai embossé le papier avec le classeur de gaufrage Quadrilobe, qui est juste magnifique. Je vais en prendre un autre aujourd'hui, histoire de changer. Mais c'est super. Et du coup, sachez que le morceau de papier dont vous avez besoin ici tient dans les grands classeurs de gaufrage Stampin'Up. Vous savez, les grands carrés. Eh bien, le morceau de papier tient pile poil dedans. Papier, panier, c'était peut-être des chocolats avec de l'alcool. Oui, je sais, Suzanne, mais non, j'ai horreur de ça, les chocolats avec l'alcool dedans, je déteste ça, donc non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Et oui, Nathalie, en effet, j'ai deux ongles qui sont dorés. Voilà. Alors, histoire de changer un peu. Alors, on recommence. 2,55. Donc, entre 5 et 6. Voilà. Alors, j'ai bougé. Crotte. Allez, reviens là. Voilà. 2,55. Et ici, 15,25. On est toujours dans le même sens. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle puisse, voilà, voguer sur la planète Scrap. Ça sera adorable de votre part. C'est grâce à vous que je suis toujours là et que je peux me faire connaître. Donc n'hésitez pas à la partager. Je retourne mon papier d'un quart de tour et je viens marquer mon pli à 17,8. Voilà. C'est fait. L'essentiel du sac est calé. Je mets mon court-papier de côté. Voilà. Hop. Je vais pré-marquer mes plis déjà pour que vous voyez mieux ce que je vais faire après. Retourne mon papier, voilà ce que vous devez obtenir. Hein, okay. Pareil de l'autre côté. Et du coup, on va juste venir faire quelques petites coupes sur ce papier pour former donc notre sac. Hop, j'ai perdu mon pli, il est là. Voilà. C'est bon pour tout le monde, vous arrivez à suivre, n'hésitez pas à me dire, hein, surtout. Arrêtez-moi dans les commentaires si vous avez le moindre souci. Ok. Donc, maintenant que vous avez marqué vos plis, vous voyez que vous avez un petit pli sur le côté ici, qu'on a le pli là, d'accord? Et puis, hop, le pli là comme ça, et le pli là comme ça. Ok? Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, j'aurais peut-être dû changer le motif, mais quand même. Donc, vous avez votre feuille 30,5 par 30,5, d'accord? Le petit pli qu'on a fait ici à 2,55, ok? Un pli ici à la moitié qu'on vient de faire, ok? En fait, on va se séparer ici de la petite bande rectangulaire et couper simplement en biseau le rectangle carré qu'on a sur notre gauche ici. D'accord? C'est juste pour désolidariser les grandes parties là et se séparer du petit rectangle qui est là. Et on fait ça sur les deux morceaux, c'est toujours la même chose. D'accord? Donc, je prends du coup mes grands ciseaux et on vient couper. Donc, on fait bien attention d'avoir le petit pli sur la gauche. D'accord? Comme ça. Je viens désolidariser les deux morceaux du bas. Comme ça. Vous pouvez le faire au coupe-papier aussi si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Je le fais au ciseau parce que du coup c'est un petit peu plus visuel pour tout le monde. Voilà, ok. Donc j'ai désolidarisé les deux. Je viens couper en biais ici. C'est en fait une boîte géante qu'on va faire en deux morceaux, hein, tout simplement. Ok, donc voilà, j'ai coupé en biseau ici, vous voyez. D'accord. Et là, il me reste en fait à venir couper le petit rectangle sur la gauche ici, d'accord, en créant pareil un petit biseau sur la gauche. Une fois que j'aurai fini de couper, vous allez avoir un meilleur aperçu de ce que ça va donner. Voilà. Et du coup, je viens couper ici, en biais, le bas du petit rectangle. Ok. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, désolidariser les deux grandes parties
couper en biseau la partie de gauche, se séparer du petit rectangle à gauche ici et biseauter ici la partie qui reste. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi, surtout, n'hésitez pas à me dire si c'est OK, hein, que tout le monde puisse être au même niveau, réussisse à suivre en même temps. OK, c'est assez simple. Le reste, on n'y touche pas, hein, ça reste tel quel. Et ensuite, on va assembler ces deux feuilles ensemble, créer la anse, enfin les deux anses pour le coup, et ça sera très simple. Coucou Héloïse, comment vas-tu? Limpide pour André et très clair pour Marie-France, c'est génial. J'ai envie de vous dire, moi, tout va bien. Alors, c'est parti. On désolidarise. Comme ceci, on coupe en biseau là-bas. Voilà. Idem ici. C'est vrai qu'on a rarement l'habitude de travailler avec directement des grandes feuilles comme ça, mais ça change un petit peu. Hop. Voilà. Du coup, on n'a pas beaucoup de chute, hein, il ne nous reste pas grand-chose sur l'intégralité de la feuille. Hein. Normalement, il n'y a pas beaucoup de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, on a même le rectangle, les deux rectangles qui nous restent là. Attendez, je vais les plier. Vous allez voir. Toc. On peut même se servir des deux rectangles qui restent pour faire une carte toute simple. C'est nickel. Alors, Héloïse, bouge pas, je te montre. Il est géant, le sac. C'est un sac géant. Pour les gourmands que nous sommes. Et du coup, je propose sur ma fiche technique à télécharger la version bébé. Voilà. Alors, je suis en train de penser que j'ai pas pris ma pince avec moi pour faire mon trou tout à l'heure. Il faudra que je le récupère juste après. Alors, je mets ça de côté. Ok. Je vous montre tout simplement. Nous allons assembler les deux parties. Oh, le chien qui s'excite. Par les petits plis, tout simplement. Donc, voilà, ça va venir comme ça. Je vais mettre ici de la colle ou du double face. OK. Et fermer comme ça. D'accord? Et du coup, ça sera même principe ici. Sur le petit pli, on va mettre de la colle ou du double face. Et rabattre l'autre partie pour former notre sac. Tout bêtement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, hop, c'est parti. Je vais marquer mes plis correctement avec mon plioir. Voilà, je prends mon double face. L'avantage là du double face, c'est que du coup, eh bien, on est sûr que ça va bien venir. Je coupe ici. Voilà. Tout bêtement. Alors, moi, je me suis mis à faire la version 2022, le mini panier de Pâques pour mettre sur les tables de Pâques au restaurant. Ah, génial! Trop cool! Le tout doux qui dit c'est pour moi le chocolat. Mais oui, mais je sais pas ce qu'il a à se péter dehors là. Il m'agace. Alors. Hop, je retire les petites bandes. Voilà, on aligne bien. Ça s'est collé. Juste des personnes très très avisées et prévoyantes sur l'intérêt d'avoir un contenant adéquat. Je suis tout à fait d'accord, Suzanne. C'est tellement vrai. C'est tellement, mais tellement vrai. Allez, on met là, pareil, de l'adhésif, donc sur la deuxième bande. Bon, du coup, c'est vraiment beaucoup plus grand hein, que ce qu'on a l'habitude de travailler. Les gestes ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est assez marrant. Bon, ça change. Hein.
après, on va pouvoir donc s'attaquer aux anses de notre panier. On ne va pas coller le fond tout de suite, On peut le faire à la fin, ça. Hop, je rabats ce pli ici. Et je vais venir aligner. Voilà. Toc, ça y est, on a notre base de sac. Nickel. Donc après, vous l'aurez compris, le bas va se refermer tout simplement comme ça et comme ça. D'accord ? Et on aura donc notre base de sac. Ok ? Mais avant d'aller fermer le fond, on va s'occuper donc des anses qu'on va ajouter de chaque côté, donc avec le papier uni. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Je prends les morceaux de papier uni. Hop, et il va me falloir également ça. J'avais perdu une bande. La déco, on verra après. Alors, première chose, il vous faut donc deux morceaux de papier uni de 15,25 par 12,7. D'accord ? Ça, c'est ce qui va être donc les futures anses de notre panier. Bien. Donc là, il en faut deux. Là, je suis sur le pierre rose poli parce que du coup, avec ce papier-là, on a plein des in-color 21-23 et 23-25. Donc, c'est trop cool. Donc là, pierre rose poli que je vais associer à perruche de parade. Moi, ça va péter encore plus. J'adore. Pour créer notre ouverture ici, je vous invite à prendre un poinçon, par exemple. Donc, je vais prendre celui-là qui vient tout simplement du lot plein d'élégance. Voilà, il y a plein de petites étiquettes différentes. C'est trop sympa. Qui est coordonné avec un set de tampons de sentiment. Donc, j'ai pris celle-ci, mais j'ai pris la plus petite que je vais mettre ici pour découper. Mais j'ai sorti aussi la taille au-dessus. Regardez, vous allez voir. Hop. Vous allez voir, je vais les couper ensemble tout à l'heure pour simplement décorer le contour de cette ouverture. Donc, si vous avez des poinçons comme ça en deux tailles, eh bien, c'est l'occasion de vous en servir et de faire un petit truc qui change. Donc, je vais prendre le petit. D'accord. Il faut vraiment que je fasse de la place là parce que je ne vais pas y arriver. Hop, je vais prendre les deux. D'accord. Je vais prendre mon petit poinçon, un petit peu de masking tape et je vais prendre ma machine. Hop là, vient la petite. Alors, si je mets de côté, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, pour être sûr d'être bien en face pour vos futurs poignets, vous allez mettre vos deux papiers ensemble, l'un contre l'autre, d'accord, et positionner sur votre plaque, positionner votre poinçon où vous le souhaitez de manière la plus centrée possible, et le conseil c'est de le faire tenir avec un morceau de masking tape pour être sûr qu'il ne bouge pas, parce que là du coup, comme on coupe en même temps deux papiers, c'est plutôt conseillé de les faire tenir. Alors, mes papiers, s'il vous plaît, tenez bien ensemble. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit bout là pour tenir mes papiers et un autre donc pour tenir le poinçon. Alors, je vise à peu près là, ça m'a pas l'air mal. Donc si vous faites avec un contour comme j'ai fait, n'oubliez pas que ici, vous utilisez le plus petit, d'accord ? Marie-France, c'est une excellente question. c'est une excellente question. D'ailleurs, je suis en train de me planter. Où vas-tu ? Ben non. Si ? Attends. Bah, tu me fais douter du coup. Attends, bouge pas. Je vais décoller ça. Voilà. Oui, c'est dans l'autre sens. Merci Marie-France. Donc, c'est sur le côté de 15-25 ici que vous allez positionner. Donc, votre poinçon. Je vais le mettre dans l'autre sens, quand même, ça tiendra mieux. Merci Marie-France.
Donc, voilà. Je fais tenir mon papier. Je positionne le poinçon. Voilà. Toc. Et on passe tout ça dans la machine. Tu m'as sauvé d'une boulette, Marie-France. Je te suis très reconnaissante. Hop, et on passe tout ça dans la machine. Du coup, hop, ça va passer nickel. Et on peut sans problème faire un deuxième tour, vu qu'on coupe deux papiers cartonnés en même temps. Ce n'est pas de trop. Toc. Voilà. Et du coup, on enlève ça tranquille. On ne perd pas les petites étiquettes, ça peut servir. Dis donc, est-ce que je peux mettre de la colle et non du double fer? André, aucun problème. Aucun problème. Hop. Voilà. Du coup, vous vous retrouvez avec deux belles étiquettes à utiliser pour un prochain projet. Voilà. Hop, je retire ça. Et on se retrouve donc avec nos deux papiers coupés de façon symétrique. Tant que je suis avec mes plaques de découpe, je vais tout de suite faire ce fameux contour dont je vous ai parlé. Donc, une chute de papier. Je pousse ma machine, c'est c'est ma chaise qui roule. Alors, hop. Voilà, donc ça, va falloir répéter cette opération deux fois, puisque vous avez deux poignées. D'accord ? Je positionne les deux. Je les fais tenir toujours avec mon masking tape, comme ça, ça ne bouge pas. Et je passe dans la machine. Du coup, on va pouvoir avoir deux jolis contours de poignée. Ça va être beaucoup plus esthétique. Nathalie, t'es vilaine avec moi. Tu rêves que je fasse des boulettes. Toc. Voilà. Encore une fois, on a une nouvelle petite étiquette qu'on garde précieusement. Et du coup, on se retrouve avec un joli contour, vous voyez, tout fin, qui va venir orner ici notre poignée. C'est top, non? Alors du coup, c'est parti, je lance le deuxième. Voilà, je redécale ça pour que ce soit plus simple. C'est une technique toute simple, hein, vraiment, mais qui est assez sympa pour ce genre de choses. Et je ne rangerai pas ma machine tout de suite, puisque je vais embosser le papier uni qu'on a fait avant. Ça fait un moment que tu es resté sage. Bah oui. Du coup, ça faisait trop long, c'est ça? Et voilà, du coup, on a notre deuxième contour de poignée. Ça va être super joli. Du coup, avec le pierre rose poli et le perruche de parade, on est sur quelque chose d'hyper flashy, mais on se joue sur ce jour de printemps, je trouve que, eh ben, on en avait besoin. Et du coup, aujourd'hui, je vais utiliser le plioir de gaufrage qui s'appelle bois d'arbre. Voilà, parce que je me suis dit qu'avec les fleurs, ben, ça pouvait le faire sans problème. Donc, je prends, vous voyez, ça, mes petits papiers comme ça, et du coup, je vais venir le passer dans le classeur. Et comme je vous disais, les classeurs de gaufrage, les grands formats, eh bien, le papier passe pile poil dedans. C'était fait pour ça. Et voilà. Et là, je retire ces plaques-là, puisque du coup, c'est un classeur de gaufrage 3D. Donc, je n'ai besoin que de la plaque numéro 1 et la numéro 4. Et je viens passer tout ça dedans. Voilà, comme ça, ça va permettre d'embellir encore un petit peu plus. Vous voyez? Voilà, ça va. Oula! Habiller le papier uni avec par-dessus notre petit truc là. Ça va être super joli.
Autant pour moi, j'ai déjà collé le contour. C'est pas grave, j'étais en train de me dire que en fait on pouvait aussi faire avec le contour. Et du coup, il est embossé aussi, donc ça doit faire super joli aussi. Donc c'est pas très grave, ça m'arrive franchement, aucun problème. Ça embosse le contour aussi, c'est sympa aussi, hein. Et voilà. Hop, je mets ça de côté. Toc. Voilà, du coup, on va avoir donc nos deux futures poignées de sac. Ça va être super flashy tout ça. Je viens coller mes contours. Hop, ça va, tout le monde suit. C'est ok pour vous. C'est vraiment pas compliqué. Du coup, j'espère que les petites astuces vous plaisent. Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'associe le perruche de parade et le pierre rose poli. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est hyper flashy, j'adore. Hop. En plus, avec le papier fleuri, là, il y a tellement de couleurs dedans coordonnées qu'on sait que tout va ensemble. C'est trop cool. Voilà. Vous constaterez que quand vous passez le papier dans les classeurs de gaufrage, ça les affine un petit peu, donc on les manipule en douceur. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors, on va positionner nos poignées maintenant sur, sur notre sac, d'accord? Pour cela, hop, je le récupère. Donc vous avez vu que les dimensions ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez donc le 15-25 et ici, c'est un plus petit peu plus petit. Ça fait un peu moins de 13 cm. Ça fait genre 12-7. D'accord? Donc les poignées vont venir se coller sur, comme ça, sur la grande partie. Ok? Pour que ce soit le plus en face possible avec le deuxième, ce que l'on va faire, oui ça doit être super joli Marie-France, ce que l'on va faire c'est se faire une petite marque au crayon pour nous indiquer où coller, d'accord? C'est tout simplement pour faire quelque chose de beaucoup plus esthétique et que ce soit qu'on n'ait pas les poignées avec 2 cm de décalage en haut, d'accord? Donc, la mesure que je vous conseille de faire, donc c'est on fait la marque à l'arrière, d'accord, c'est 2,5. Ok. C'est vraiment un titre indicatif pour se fixer par rapport à la colle, d'accord, sur le sac. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, aucun problème. Voilà. 2,5, c'est vraiment une mesure indicative. Si vous préférez faire plus court ou plus long, vous êtes totalement libre. Voilà. Maintenant, tout simplement, je vais déposer du double face donc sur cette partie-là que j'ai notée. D'accord? Comme ça, je sais exactement où je vais m'arrêter. Voilà. Hop. Je vais sûrement mettre 3 épaisseurs de double face. Toc. Voilà. Et on n'aura plus qu'à venir le coller en fait sur le sac pour créer ces fameuses poignées. Coucou Annie, ça va aujourd'hui? Merci de nous avoir rejointes. Je crois que je peux dire rejointe parce que ni Crapouillou ni Cédric ne sont là aujourd'hui. Donc je crois que il n'y a que des scrapeuses aujourd'hui. Voilà. Je fais vraiment propre et
dans le détail, hein, vous constaterez. Je veux que ça tienne. Voilà. Il a terminé ses courses, j'en sais rien. Je crois que oui, mais je suis pas sûre, Marie-France. On fait bien adhérer le double face avec le POR donc sur le papier. Ok, voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller cet ensemble. Hop. Donc, on ne se trompe pas de sens. De toute façon, vous allez voir, si vous vous trompez de sens, ça va être trop large. D'accord. Donc, c'est bien sur la plus grande partie des 15-25. Hop, je vais ouvrir tout ça. Voilà, je peux le mettre à plat. Vous voyez, là, ça passe. Mais là, ça dépasserait. Donc, normalement, vous devriez vous en sortir. Alors là, vous allez vraiment faire comme vous le sentez. Soit vous venez mettre debout pour viser. Soit vous venez le mettre comme ça. Soit vous retournez votre poignet et vous venez poser votre papier à motif dessus. Vraiment, là, vous faites comme vous le sentez. L'essentiel, c'est de viser. Pour que ce soit le plus droit possible, servez-vous de la petite marque que vous avez faite. Et normalement, vous devriez être tranquille. Voilà, ça me paraît pas mal. Zut, j'ai oublié d'arrondir mes angles. Mais bon, c'est pas grave, c'est facile à faire même comme ça, vu que j'ai pas attaché le fond. Et puis en même temps, c'est pas obligatoire, hein, on est d'accord. Voilà, mais comme ça, ça va à plat. Voilà, c'est juste parce que j'aime bien quand c'est arrondi. Toc. Du coup, je vais faire celui-là maintenant. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Je vais parfaitement laisser les angles comme ils sont. Hop, voilà. Ok, parfait. Et du coup, on vient coller donc le deuxième ici. Donc à 2,5. Si vous galérez à poser, regardez, ce que vous pouvez faire, c'est sur l'avant. Vous faire une toute petite marque pareil à 2,5. Voilà, juste un petit trait sur l'avant, vous pourrez effacer après, d'accord, pour vous guider encore mieux et vous faciliter la vie pour la pose. D'accord, il y a toujours des petites astuces comme ça. Voilà. Du coup, comme j'ai mes petits traits de crayon là, je sais où je veux le placer. Alors, vous allez avoir ma tête comme d'habitude. Voilà. Donc, on se base par rapport au pli, par rapport à notre poignet là-haut. Qu'est-ce que tu veux, le chien? C'est pas le moment. Toc. Pour viser mieux. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est une bonne idée. Voilà, bon, je suis un petit peu en décalage, mais bon. Arrête! Va dehors, allez. Je suis occupée, Huron. Tout est ouvert, tu peux sortir. Non mais, ok, du coup, ça y est, on a notre sac, d'accord, avec nos poignets. Ici. Maintenant, je peux coller le fond. Hop, donc je vais mettre les parties biseautées à l'intérieur. Maintenant qu'il est rentré, il veut sortir. Ouais, non, mais il est pénible. Il fait que ça toute sa journée. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mais il n'y a qu'un endroit où il veut sortir. Il a ses petites habitudes de vieux garçon. Hop. Et là, je viens coller. Bon, là, on fait travailler notre dextérité, mesdames. Je vous l'accorde. Hop. Ça. Ensuite, je vais remettre ici. Voilà. Et
c'est pas si évident que ça, hein, de travailler les grands papiers comme ça. Disons que les gestes sont plus les mêmes, c'est assez marrant. Hop. Ok, celui-ci, je vais le rabattre. On va faire en sorte qu'il soit droit. Voilà, et du coup, je vais me dépêcher de mettre celui-là. Hop. Voilà, on n'hésite pas à aller le plus possible sur les bords et dans les coins. Là, on est d'accord que la colle, c'est le plus pratique, hein, ici. Voilà. Et du coup, on aligne tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a deux mains gauches. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Et du coup, notre main rentre dedans sans problème. Donc, on peut faire adhérer la colle. Oups. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. Toc. On va venir comme ça. Voilà. Pincer un petit peu. Donc là, moi, j'étais un petit peu de traviole. On est d'accord. Donc, eh bien, je vais le laisser ouvert comme j'ai fait sur le grand. Mais si vous voulez faire comme ce que j'ai fait pour le petit sac, la petite version, il vous suffit de pincer comme ceci, d'accord, de percer le papier uni et de venir le faire tenir donc avec des attaches parisiennes. Là, ça va m'agacer, est-ce que ça va pas tomber pile poil mon truc là? Je pense que j'ai voulu aller un peu trop vite. Mais bon, ça peut peut-être le faire. Mais du coup, vous voyez le principe. Mais comme j'ai des grands gourmands, du coup, on peut juste faire tenir avec une petite ficelle ici. Et ça suffit parfaitement. Mais vous pouvez aussi aligner. J'adore déjà. Vous pouvez aussi aligner de telle manière à recouper aussi, si vous voulez, si vraiment c'est pas pile poil droit. Comme moi, ça l'est. Mais du coup, là, sur la grande version, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Oups. Parce que regardez, sur la petite, voilà, on est nickel. Ça vient peut-être aussi du grand papier. D'accord ? Donc, j'ai percé le papier uni ici et là. Et j'ai inséré mes attaches parisiennes. Du coup, il tient fermé sans problème. Et du coup, pour la décoration et le renfort. Le renfort pour le fond, 15 par 2. Et on vient le coller directement dans le fond du panier, d'accord? Le papier cartonné va donc, comme son nom l'indique, nous renforcer le fond. Et du coup, avoir un côté rassurant pour ce qu'on va y mettre dedans. Voilà. Avec la colle, on peut le bouger un peu. C'est tellement grand que le bras rentre dedans, on est tranquille. Il n'y a pas de souci. Ça va tout seul. Ouais, Suzanne, on a les mêmes. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Puis alors, nous, il vieillit, alors il fait que ça. C'est pénible. Ok. Pour cacher, donc, ici, la démarcation, je vous invite à rajouter une petite bande de papier à motif. Et donc, il vous en faut deux. 15,25 par 1,5. D'accord. Tout bête, hein, parce que juste pour décorer un petit peu plus et cacher donc cette fameuse démarcation. Voilà. Hop. On vient placer ici pour embellir un petit peu tout ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'hyper flashy, hein, on est d'accord. Là, j'ai vraiment choisi quelque chose de très, 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 très coloré.
nickel. Et pour le sentiment, j'ai reproduit la même chose que ce que j'ai fait sur la première version, mais je me suis amusée. Vous allez voir. À faire avec toutes les couleurs qu'il y avait sur le papier. J'adore ça, je trouve ça génial. Ça vient du set de tampons Classic Letters. Surtout, c'est pas ta couleur favorite. Bah ouais, non mais ça va, ça passe quand même. Ces lettres sont incroyables. Bon, elles sont grandes, hein, on est d'accord. Mais elles sont tellement pleines et grandes que du coup, on peut même aussi, si vous voulez s'amuser, à les découper au ciseau. Détourage nickel. On a, et c'est pas négligeable, notre ponctuation spécifique et qui est bien utile. Vous voyez, hein, parce qu'il y a l'accent circonflexe du pack qui est important. On est d'accord. Ce set, il est incroyable. Les lettres sont hyper grandes. Et du coup, eh ben, je vais le coller ici. Voilà. Hop. Ça ressort super bien. Ou alors, je le mets sur... Non, je vais le laisser là. Voilà. Je vais venir le coller ici. Et là. J'adore. Toutes ces couleurs, je trouve que ça fait tellement de bien. Voilà. Un petit peu de colle, tout simplement. Voilà, pareil avec l'autre. Bon, alors pour faire avec les lettres, là, hein, c'est très simple. J'ai tracé une ligne sur mon papier pour pouvoir bien aligner chacune de mes lettres. Et après, ça va tout seul. Vous tamponnez. Comme c'est des tampons transparents, vous voyez parfaitement bien avec vos blocs acryliques. Donc du coup, il y a moyen de faire quelque chose de super droit. C'est trop joli, j'adore. Voilà, là on est hyper coordonné avec le papier. J'ai pris toutes les couleurs. Hein. Là vous avez le sorbet sucré, le Tahiti en mer, sapin ombragé, pierre rose polie, perruche de parade, carré moulu, fraisier en fleurs. Et du coup j'ai reproduit comme ça, j'ai 7 couleurs pour les 14 lettres. Voilà, 2 lettres de chaque couleur. Bon, j'ai vraiment poussé le vis, hein. Voilà, vive Pâques et vive le printemps, on est bien d'accord. Et du coup, pour finir, la petite touche finale, la petite étiquette avec le petit lapinou. C'est pareil, hein, c'est toujours le set de tampons, le set de poinçons plein d'élégance. Donc on a l'étiquette et on a les différentes parties ici pour embellir le bout, d'accord. Donc là, eh bien, j'ai pris les jolies petites fleurs hein, pour rester dans le thème. Sur la première partie, j'avais juste pris ici, vous voyez, le petit, comme une petite goutte. Voilà. Et du coup, voilà, c'est super mignon. Donc j'ai plus qu'à le mettre avec un petit ruban. Et je pense que je vais prendre le perruche de parade, tout simplement. Voilà. Le premier, j'avais pris Méli Mélo argenté et doré. C'est dans les exclusivités sur la boutique en ligne en ce moment. Elles sont super sympas. Mais du coup, je vais partir sur le perruche de parade. Attendez, je vais vous mettre plus près, vous allez voir. Comme ça, on reste vraiment dans les mêmes tons. Et puis, un petit peu de brillant, c'est pareil. Ça fait pas de mal. Voilà. Et je vais simplement accrocher ma petite étiquette. Ça va faire en guise de fermeture. Les couleurs m'inspirent. Ah, ça me fait plaisir. Tout ça, ça fait du bien au moral, moi je dis. Toc. Voilà. Je vais juste rejoindre tout ça. Ici. Il n'y a pas de longueur spécifique hein, de ficelle et de ruban. Franchement, on fait comme on le sent. Gros bisous Nathalie. Merci ma belle d'avoir été là. Je me trompe de sens. Là, j'ai mon sentiment. Je vous jure. Là. Là. Et voilà. Toc. Et juste un petit nœud. Tout bêtement. Je suis palmée aujourd'hui. Je sens qu'il y en a qui vont se moquer. Voilà. On va y arriver. Doucement, mais sûrement. Je suis franchement palmée aujourd'hui. Là.
un petit nœud, tranquillou. En fait, je vais faire une boucle parce que sinon, je pourrais plus jamais ouvrir mon truc. Je me connais. Et comme j'ai aucune patience avec ça, voilà, on va faire un joli petit nœud ici. Si tant est que ça veuille se fermer. Allez. Là. Voilà, du coup, vous allez pouvoir vous éclater. Je vous dis pas la quantité de chocolat que vous pouvez mettre là-dedans, dans ces petits paniers là. C'est énorme. Il est pas mignon le petit épineau là, avec la belle étiquette. Voilà. Et du coup, on a notre deuxième sac géant, hyper coloré, avec la possibilité, si vous allez sur le blog dans quelques minutes, de pouvoir la version, faire la version mini. Voilà, regardez. Et voilà. Vous allez faire des heureux et des heureuses pour les fêtes de Pâques cette année. C'est moi qui vous le dis. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous inspire. J'ai vraiment trop hâte de voir vos créations. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ces belles couleurs vous ont fait du bien, qu'ils fassent beau chez vous ou pas. Voilà, que ce sera des projets que vous allez faire. Merci beaucoup Martine, c'est adorable. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Marie-France. J'ai hâte de voir vos projets. N'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag HarmonyScrap. Mais du coup, voilà, que je puisse être notifiée et pouvoir les faire, les voir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de fermer ma boîte de peur d'abîmer le ruban. Je vais la laisser ouverte, ça sera plus rapide pour manger le chocolat. Marie-France, t'as deux mains gauches aussi. Bon, bah, ça me rassure, je me sens moins seule. Très frais, merci, on en mangerait avec le chocolat. Ça me fait super plaisir, je suis contente que le projet vous ait plu. On se donne rendez-vous dans quelques minutes sur mon blog harmonyscrap.fr, le temps de charger la vidéo et de faire les photos du deuxième projet. Et puis du coup, vous pourrez aller donc sur ce blog harmonyscrap.fr, vous retrouverez le lien de l'article sur mes réseaux sociaux pour télécharger la liste du matériel, des produits que j'aurai utilisés, la fiche technique, voir le replay. Faites-vous plaisir. Profitez-en et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou le replay ou tout ce que vous aurez envie de partager. Merci beaucoup de votre aide, de votre soutien, de votre bienveillance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live et d'ici là, des publications d'inspiration créative. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, merci beaucoup, à ciao !